Attention cette semaine à tes énergies. Attends-toi à vivre une période profondément déstabilisante. Alors, clairement, on voit, hein, il y a l'âme qui ressort. Donc là, c'est ton toi supérieur qui va traverser une période profondément déstabilisante. Alors, ce n'est pas forcément cette semaine qu'il va se passer quelque chose de difficile ou de dramatique. Mais alors, pour le coup, pour ceux qui vont rentrer dans cette phase de nuit noire de l'âme, alors attention, cette vidéo ne s'applique pas à tout le monde. Mais si toi, tu tombes dessus et que ça résonne avec toi, c'est que c'est OK. Clairement, ça peut venir notamment de la fin d'une relation qui a été extrêmement intense. Et quand je dis extrêmement, c'est vraiment quelque chose de magnétique, d'extrêmement puissant, connexion énergétique. Vous ressentez votre autre tout le temps. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ou vous êtes dans cette phase d'éveil spirituel parce que voilà, vous êtes amené à un moment donné à la traverser. Ce qu'on te dit, c'est cette phase de nuit noire de l'âme est aujourd'hui pour toi l'occasion de repartir sur une phase de reconstruction. On te demande aujourd'hui d'agir dans la matière pour prendre du recul sur les événements qui se sont produits, que ce soit en lien avec une relation amoureuse ou autre d'ailleurs. Donc, accepte de vivre ce moment. Par contre, effectivement, c'est très épuisant nerveusement, physiquement. Donc, dans cette phase que tu vas traverser, n'hésite pas à prendre du temps en extérieur, à rester au maximum dans l'instant présent, bien que ça va être très difficile, parce que en fait, là, ce que tu traverses, c'est d'un côté, tu as ce entre guillemets ce conflit entre ce que ton mental souhaite et ce que ton toi supérieur souhaite. Et en fait, le but est de casser le mental qui est beaucoup trop fort, casser cette couverture un petit peu que tu as mis autour de toi dans tes interactions aujourd'hui avec les autres. Donc, il va y avoir des vraies prises de décision et des reconsidérations de liens avec des personnes. Donc, on te dit pour traverser, la première des choses, c'est se mettre dans l'instant présent. Méditer, notamment sur le lâcher-prise. Il y a des très bonnes méditations guidées sur YouTube qui sont sur le lâcher-prise. Et essayer, se forcer, je dis bien se forcer à sortir un petit peu de chez soi, à aller se promener, prendre l'air, à faire des activités avec ses enfants ou avec des personnes qui nous sont chères. Parce qu'effectivement, on sent que là, aujourd'hui, il y a une vraie prise de recul qui va être faite pour toi. On te dit que pour l'instant, dans cette période-là, les projets sont toujours bloqués parce qu'en fait, il y a tellement d'énergie qui sont transmutées, d'énergie plutôt basse que nous vibrons, et là, pour le coup, c'est pour tout le monde, hein. Que vous avez besoin d'épurer ça. Donc, trouvez tous les bons moyens pour épurer. On te dit, fais preuve de sagesse et regarde aussi dans tes actions, dans tes agissements, quelle est ta part de responsabilité. C'est une vraie prise de recul. Et si tu ne prends pas ce recul, bah, tu es face à ce mur et en fait, tu ne parviens pas à observer. Parce que forcément, quand on est face à l'obstacle, on ne voit que l'obstacle. Alors qu'en prenant du recul, on va pouvoir voir qu'il y a des portes de sortie, qu'il y a des points de passage que l'on va pouvoir reprendre. Et ce qu'on te dit notamment, tu vois, fais preuve de recul parce que vous avez cette relation éternelle, ce lien qui vous unit de vie en vie depuis de nombreuses incarnations. C'est une relation, alors qu'elle soit âme jumelle ou flamme jumelle, dite sacrée. Cependant, cette relation dite sacrée, elle est toujours présente, ce lien est toujours présent, mais aujourd'hui, la phase de travail personnelle, sans être dans l'attente de ton autre, va devoir commencer. Et on te dit, médite un petit peu sur ça, d'où l'importance de comprendre qui on est. Il s'agit surtout d'écouter les messages et les synchronicités que tu vas recevoir. Au début, ça va être un peu brouillon, parce qu'en fait, tout va être mélangé par rapport à ton mental qui va être à fond, parce que pour le coup, il est à fond dans cette période-là, et en ce que tu ressens. On te dit, tu vas être guidé par le biais de synchronicité. Tu vas poser des intentions, clairement, et on te dit que tu vas recevoir des messages dans tes intentions posées, dans tes rêves, dans ton quotidien. On te dit surtout qu'il faut mettre en lumière aujourd'hui de ne plus être dans le sacrifice relationnel avec les autres, comme avec ton autre. Tu n'as plus à accepter des choses qui ne résonnent plus avec toi. Et en fait, aujourd'hui, bah, tu as l'impression d'avoir fait énormément d'efforts et que malgré ça, bah, il y a toujours ces difficultés dans la relation, ces conflits et ces épreuves et ces disputes. Il faut que tu libères ces énergies de colère qui sont au fond de toi, ces énergies de sacrifice dans lesquelles tu as été. Et c'est là,
pour le moment que l'on t'attend au travers de cette vidéo, en tout cas pour toi qui tombes dessus. Et on te dit, prends aujourd'hui la responsabilité de cette distance qui s'est installée avec lui, parce que pour l'instant, l'heure n'est clairement pas au retour. Ça prend des mois, voire des années, je préfère vous le dire. Sabrina et moi, ça a pris 2 ans et demi. Et on te dit surtout, crée, fixe-toi de nouveaux objectifs. Impose-toi de nouveaux... de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Alors, tu vas être guidé pour trouver ton chemin de vie au travers de rencontres, de personnes qui vont t'accompagner. Parce que, clairement, ton intuition va être de plus en plus abondante sur le temps. Tu vas recevoir et capter de nombreux messages. Tu vas pouvoir développer cette intuition qui est la tienne. Ne sois pas dans l'impatience, parce qu'on te dit que le temps pourrait être ton principal ennemi, parce que tu risques d'être impatiente et de t'user. C'est normal, alors je sais qu'il y en a qui sont d'un certain âge et que c'est difficile aujourd'hui de dépasser ça, mais tu es sur ce chemin initiatique personnel. N'oublie jamais, c'est un chemin initiatique personnel de redécouverte de soi afin de plus reproduire les mêmes schémas. Et c'est au travers de cette relation-là que tu es porté vers ça. Seul l'amour, l'amour inconditionnel, est capable de nous changer intérieurement, profondément. C'est pas l'argent, c'est pas, je sais pas, c'est pas les trucs, les petits trucs du quotidien qui vont nous faire évoluer. Seul l'amour et seul notre rapport à l'amour est capable de nous faire changer. Alors prends le tournant, ose le changement, sois fier de ce que tu accomplis et regarde un petit peu au fond de toi ce que tu as besoin de travailler.